Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il y a une affaire foncière qui vous oppose avec l'État depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Expliquez-nous un peu la situation. Oui, c'est bien vrai que nous sommes réunis ce matin, une fois encore, pour faire entendre notre voix sur les problèmes fonciers auxquels nous sommes confrontés il y a bientôt 40 ans. Bien. En effet, notre domaine d'une superficie plus de 900 hectares a été décrété d'utilité publique depuis 1977, sans aucune décision judiciaire. Depuis lors, aucune mesure relative à la procédure d'expropriation n'a été prise. Alors que dans le décret déclarant la zone d'utilité publique, notamment à ses articles 2 et 3, il a été demandé aux ministres concernés de prendre part, voire d'arrêter les autres mesures relatives à la procédure d'expropriation. Aujourd'hui, après un aperçu, l'État a failli. Fort de ce constat que l'État lui-même a créé une commission ad hoc de réflexion en janvier 2012 pour mission d'apaiser le cœur et trouver une issue définitive à ces problèmes restés longtemps à l'état latent. Malgré cela, nos souffrances et calvaires perdurent et le peuple bain est bafoué car l'avenir de nos enfants est en péril. Puisque l'État continue par exploiter notre patrimoine foncier sans nous consulter, ce qui constitue une violation de nos droits et dignité et de la Constitution, notamment à son article 27 qui dit « Le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d'utilité publique, légalement constatée et après une juste et préalable indemnisation. » Mais hélas, bientôt 40 ans, rien n'a été fait à propos. Face à ce constat d'échec, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités en tenant compte des dispositions des décrets du 7 septembre 1945, de mai 1955, d'octobre 1967 et la Constitution d'octobre 1992 à son article 27, ainsi que les autres alinéas de la loi foncière de notre pays réglementant l'expropriation pour chaque utilité, pour cause d'utilité publique. À défaut, aucune démarche d'exploitation de notre domaine ne serait plus tolérée jusqu'à ce qu'une issue consensuelle et acceptée ne soit trouvée entre nous et l'État. C'est pourquoi nous supplions le chef de l'État en personne d'intervenir pour une résolution idoine soit trouvée. Nous le prions une fois encore. Nous voulons mettre à la connaissance de nos gouverneurs que nous ne sommes pas des rebelles ni révolutionnaires, mais des citoyens comme eux, revendiquant nos droits afin qu'une solution nous soit trouvée une fois devant. Merci. Est-ce que vous pouvez vous situer un peu à Chanti et que le gouvernement. Maintenant la délimitation. La délimitation, sur les 900 états, ça s'étend de la caisse jusqu'à l'état-major. Près de l'arrêté 42. Mais le gouvernement a pris les 50% qui nous donne actuellement au moins 450 hectares. Et sur les 450 hectares, ils ont encore prélevé une zone de sécurité de 28 hectares. Donc, actuellement, ce qui nous reste, c'est à partir de la présidence, la nouvelle présidence, jusqu'à l'état-major. Oui, l'ouest, c'est de la route d'Aguagnivé à la route de Kégué.
actuellement près du stade de Kégué. Bon, ils ont pris bon, les parcelles. Bon, même là où il y a l'hôpital, là où il y a la fédération, cette ressource se trouvait toujours dans notre zone. Bon, cela a été exploité sans notre consensus, c'est-à-dire sans aucun consensus, c'est ça, à peu près. Vous avez quand même effectué des déplacements auprès de l'autorité pour bien sûr, c'est à cause de cela que bon, le gouvernement, même le chef de l'État même a installé cette commission ad hoc là. Donc pour pouvoir travailler sur, là-dessus, sur le terrain du peuple bai. Et cela est à la connaissance du gouvernement, même du chef de l'État. Okay, mais après cette rencontre, qu'est-ce qui va suivre après? De toutes les façons, nous n'avons rien à dire, seulement nous supplions le chef d'État de nous remettre ce qui nous revient. Notre droit, c'est les 450 États dont on parle. Parce que déjà, les 50% là est parti pour le gouvernement, pour l'utilité publique. Mais nous voyons que, bon, actuellement, bon, c'est pas ce qui se fait. Hein, on l'emploie pas bon, dans les normes. Vous avez parlé aussi du développement de votre localité ici. Vous avez parlé d'une école qui n'est pas conforme à la norme. Oui. Vous voyez que bon, déjà sur 450 États, nous devons aussi bénéficier de quelques bienfaits bon, de notre gouvernement. C'est-à-dire, bon, il y a dans l'utilité publique dont ils ont déclaré, bon, ils devaient en avoir des écoles, l'hôpital, bon, on a déjà l'hôpital, bon, c'est cool, c'est pas grave. Bon, quelques. Bon, ça dit, nous devons avoir au moins profit des utilités publiques, comme le déclare même la loi. Il y a quelque chose bon, s'il vous plaît. Ouais. Il y a quelques jours, des gens sont venus sur votre terrain vous dire que bon, dans peu de temps, on va vous déloger. Ouais. Et voilà pourquoi vous vous réunissez aujourd'hui. C'est ça. Dites-nous ce qu'on est venu dire et ce que vous avez fait. C'est-à-dire, on a été convoqué au ministère de la décentralisation concernant 2 hectares 7A au bord de la route d'Agoué, toujours dans notre localité Massoumoué. Vous voyez que bon, alors, or, cela, c'est ce qui est réservé au peuple bai. Bon, là, ils nous ont convoqués en nous disant bon, que bon, les 2 hectares de 7A a été loués à un certain, bon, on ne le sait pas encore, bon, de toutes les façons. Donc, cette même personne était partie voir le président de la République, qui lui a dirigé vers les propriétaires terriens. Et il était venu, après les discussions, il est reparti et il est parti voir bon, les responsables du cadastre. Bon, et ils ont payé là-bas. Or, les responsables du cadastre ne sont pas les propriétaires de nos terrains. Bon, donc, ils ont baillé le lieu et nous fait savoir de quitter ce lieu les 3 jours sans préavis. C'est ce qui nous dérange un peu. Bon, donc nous sommes réunis pour lutter contre ce fléau. Et dans la pratique, on revient sur la même question. Dans la pratique, qu'est-ce que vous comptez faire dès lors que votre droit est biaisé, le droit n'est pas respecté? On a supposé que le gouvernement ne vous convoquait pas pour une discussion éventuelle, mais que vous n'entendez pas vos cris de détresse. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire? Vous allez vous opposer aux forces de l'ordre qui sont armées, qui sont venues sur vos territoires? Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes. Seule notre arme est de crier vers le gouvernement pour qu'il puisse nous restituer ce qu'ils nous ont pris. Nous n'avons pas d'armes, mais nous savons qu'avec les médias, nous avons notre voix, nous pouvons crier pour pouvoir acquérir nos biens. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.